Merci d'être avec nous. C'est la finale, la grande finale de la Coupe de France du Burger by Socopa à Paris. On est très heureux de vous accueillir pour cette édition 2019. Depuis ce matin, ici, les candidats se sont succédés depuis les différentes régions de France. Ils se sont succédés au travers de 5 finales régionales. Et l'on va vivre dans quelques instants maintenant la finale nationale, au terme de laquelle on aura le nom du gagnant, celui qui remportera la coupe, mais également le chèque de 2 500 €. Ce grand concours existe depuis 4 ans maintenant, a été initié par Socopa, qui est le premier fournisseur de viande en restauration. Et on va donc dans un instant faire connaissance avec les 5 finalistes, faire connaissance avec les membres du jury, et je peux vous dire qu'ils sont nombreux à la vouloir, cette coupe, la coupe donc de France du burger 2019. Merci d'être là, merci de prendre place. On va faire connaissance avec les 5 finalistes de cette année et on va commencer par Maxime qui a remporté l'édition Île-de-France ce matin. Maxime, tout va bien ? Ça va, ça va. Est-ce que le stress est un petit peu descendu ? Tu as été le premier à passer en fait absolument ce matin. Absolument pas. D'accord. Rappelle-nous d'où tu viens précisément et quel est le burger que tu vas réaliser dans quelques instants. J'habite dans le 95, j'habite parce que ma famille vient d'Aveyron. Et donc mon burger, le Rouerga, est autour de l'Aveyron. C'est un pain à base de thé d'Aubrac et de noix de cerneau, donc des grands marqueurs aveyronnais. On a de la morille fraîche qui a été cueillie dans les Yvelines par des amis et moi-même. Et le nom du burger aidé. Le Rouerga. Le Rouerga, on a de la tome fraîche, le même fromage que l'aligo, de la poitrine. Voilà. On reviendra tout à l'heure, évidemment, pour voir l'évolution de ton burger et un peu plus en détail la façon dont tu vas pouvoir le construire. Est-ce que le burger de Maxime remportera cette année l'édition 2019 ? Réponse donc tout à l'heure. Bon courage, Maxime, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Jean-Philippe est avec nous. Jean-Philippe est le dernier à avoir été sélectionné de la région du Sud-Ouest. Ouais. C'est bien ça, Jean-Philippe, avec un burger assez inédit qu'il va tenter de reproduire dans quelques instants. Alors, dis-nous d'où tu viens et quel est le nom du burger que tu vas reproduire dans un instant. Alors, je viens de Montpellier, originaire de Thorey, à côté de Perpignan, un petit village. Et donc, on va faire un burger ici qui va relier l'Est et l'Ouest au travers de la chaîne pyrénéenne. Donc, ça s'appelle Avalanche. Ouais. Donc, on va l'enfermer dans une avalanche et on va le libérer. Sous cloche, voilà, il va être fumé aux aiguilles de pin. On verra le résultat tout à l'heure. Voilà. Tout est en place, il ne te manque rien. C'est bon. Alors c'est parfait, on croise les doigts, le talent est là en tout cas. Bonne chance Jean-Philippe, merci. Vous pouvez l'applaudir. Donc deuxième finaliste cette année, il nous vient de la Bretagne, c'est Xavier de la région Ouest que vous pouvez encourager, s'il vous plaît. Ça va Xavier ? Ça va. Xavier a étonné les membres du jury tout à l'heure lors de l'édition régionale Ouest. En proposant un burger que l'on pourrait décrire comment, Xavier ? Ben, c'est un burger qui mixe à la fois la mer, vraiment la mer et la terre. La terre, on a du bœuf, on a du jus de viande et la mer parce que j'y amène de l'huître. De l'huître, voilà. Un burger avec de l'huître à l'intérieur, c'est bluffant, comment s'appelle-t-il ? Le New Yod. Le New Yod, parfait. Bon courage et bonne chance dans cette finale. Un peu de pression ? Un petit peu, déjà le premier passage, il y avait plus de pression, là ça va un peu mieux. Allez, bon, génial, merci, bon courage à toi, Xavier. On a le Benjamin du concours, c'est Anthony qui est là, Anthony, région Sud-Est. Ça va Anthony ? Oui, toujours très bien. Ouais. Bon, ouais. Super. Qu'est-ce que l'on a ? Les matières sont là. Oui, on est avec évidemment le goût des régions, c'est la thématique cette année. Comment s'appelle le burger que tu vas réaliser ? Alors mon burger s'appelle le Chaillé. Le Chaillé, pourquoi ? Voilà. Ça fait une référence en fait dans la vallée du Rhône au coteau, donc on plante la vigne sur les collines et comme mon père est viticulteur, voilà, ça fait une petite référence du coup aux différents étages en fait du burger. Quand tu t'es réveillé ce matin, tu t'es dit ça y est, je sais que je vais participer à la finale nationale de la Coupe de France du burger by Socopa ou pas du tout ? Ouais, bah, je me suis dit j'ai mes chances. Ouais. J'ai mes chances. Ouais. Et bien voilà, t'es là en finale, bonne chance en tout cas à toi Anthony, 4e finaliste cette année. Il nous vient de l'Est, la région Nord-Est, on peut le dire, mais Grand Est. C'est Nicolas qui est avec nous. Vous pouvez encourager. Ça va, Nicolas ? Ça va. 5 étoiles, c'est les tables barrières. Nicolas, d'où tu viens exactement et quel est le nom du burger que tu vas réaliser dans un instant ? Je viens de Blotzheim et le nom du burger, c'est le Kasbar Burger. Qu'est-ce qu'il y a comme produit phare, comme produit des régions ? Que de l'Alsace. Que de l'Alsace, 100% Alsace. On a hâte de le découvrir.
Bravo en tout cas à tous les cinq d'être là. Bon courage dans ce concours. On va lancer le coup d'envoi dans quelques instants. La règle, elle est très simple pour tous les candidats. 25 minutes pour réaliser 3 burgers identiques qui seront notés par les membres du jury. Notés sur le goût, l'équilibre, bien évidemment l'histoire et le côté esthétique. 25 minutes, pas une de plus, pour réaliser 3 burgers identiques. On y va ? Vous êtes prêts les garçons ? On est parti ? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top chrono. Bonne chance à tous. Et donc c'est parti pour la finale nationale, l'édition 2019 de la Coupe de France du burger by Socopa. On va les laisser se mettre en place. 25 minutes et je vais me rapprocher des membres du jury. Ils sont là, les grands gagnants des années précédentes sont présents. Vincent Bocara, gagnant de l'année 2017. Oui. Ça va Vincent ? Ça va toujours. Tu as goûté tout à l'heure le burger de Jean-Philippe. Quel est le conseil que tu peux donner aux 5 candidats qui sont là et qui participent là à une finale avec un enjeu important ? Là, on vous a rajouté une petite pénalité. C'est que maintenant, il faut l'avoir découpé et fini comme dans Top Chef. C'est-à-dire, on lève les mains. Dans les 5, temps. 4, 3, 2, 1, 0, tout exact. Est fini. On ne touche plus à rien. Voilà. Sinon, ils ont gagné leur finale. Donc, c'est qu'ils le méritent. Ils sont là. Il y a eu 2-3 trucs qui ont été modifiés, je vois. Ils ont écouté les conseils qu'on leur a donnés tout à l'heure. Mais je pense qu'ils vont tous finir au bon moment, je pense. Bien, passe le micro à Nicolas. Nicolas Vélome, qui est le gagnant de l'année dernière. Nicolas, c'est pas trop triste de se dire dans un instant, on remet en jeu son titre ? Il y a une petite nostalgie quand même. Parce que j'ai encore l'adrénaline de l'année dernière. Oui. Et non, c'est, je serais super heureux pour le nouveau gagnant parce que ça va changer sa carrière professionnelle. Donc je suis super ravi de... J'espère que ce sera un beau vainqueur. Et nous, on est de manière générale très contents parce qu'il y a une superbe entente entre l'ensemble des candidats. Ouais. Et c'est très agréable de voir ça. Il y a vraiment une très très bonne ambiance dans ce concours-là. Et j'ai gardé contact avec des candidats de l'année dernière. Je me suis fait des amis cette année. Donc non, vraiment, il y a une superbe ambiance et c'est vraiment sympa. Super. Allez, on va te laisser avec Vincent voir les membres, les candidats. Je cherche Brice, il est là dans son coin, le président du jury. Ça va Brice, c'est le premier lauréat de la Coupe de France du Burger donc en 2016. Ça va Brice depuis ce matin ? Très très bien. C'est le grand moment maintenant. Ça va comme sur des roulettes, mais c'est la fin. C'est surtout la grande finale et je pense que là on a vraiment la crème de la crème. Ça va, ouais. Ça va se disputer sévère. Y a encore des conseils à leur donner ou pas du tout ? Alors là, il faut vraiment laisser les laisser tranquilles. Là, je pense qu'on va les laisser un peu tranquilles. Je pense que les conseils, ils ont pris tout au long de la compétition. Et comme a dit Vincent, la fin, c'est la fin. Il n'y a pas... on ne touche plus son burger. On l'a dressé à la fin du chrono, coupé. Voilà. Donc, Ils connaissent les règles du jeu et donc il faudra évidemment les respecter jusqu'au bout. Je te laisse aller les voir, même si tu les connais. 22 minutes, les amis. Je vais commencer par Nadia. Nadia qui est avec nous depuis ce matin. Nadia, l'école Ferrandi. Nadia qui a travaillé avec les éditions Hachette. Nadia qui est conseillère culinaire. Nadia qui peut venir chez vous faire la cuisine. Mais chef à domicile aussi, Nadia, oui, ou pas ? Oui, de temps en temps. C'est vrai. Quels sont les produits que toi, à titre personnel, tu aimes travailler ? J'adore les légumes, j'aime bien travailler la viande évidemment. Et puis, je suis une très grande fan de fromage. Donc, Là, tu es servi aujourd'hui alors. Servi, ouais. Avec les produits des régions, effectivement, les saveurs. L'équilibre, on le disait déjà tout à l'heure, quand on imagine un burger qui se doit de sortir de l'ordinaire. L'équilibre entre les saveurs est quand même capital, important. Alors, surtout dans un burger, parce que c'est un produit qu'on mange en une bouchée logiquement. Quand on croque dans le burger, on a toutes les strates, oui, qui doivent venir en une bouchée. Donc, c'est vraiment important dans le montage de respecter ça. Parce qu'on veut vraiment avoir tout le burger, toutes les régions, enfin, la région du candidat dans une bouchée, oui. Bon, je te laisse aller les voir, même si tu les connais déjà.
Je vais d'abord passer la parole à Didier, qui représente Socopa. Merci Didier d'être là cette année. Merci. Alors, Socopa, on le rappelle, c'est le premier distributeur donc de viande pour la restauration. Et grâce à ce concours qui est initié depuis donc la quatrième année maintenant, vous mettez à disposition des candidats différentes variétés de viande de très haute qualité. On a la façon bouchère, on a du tartare également, qui n'est pas évident à travailler en burger. Oui, et puis il y a aussi des cheveux d'ange vrac traditionnels sur lesquels les restaurateurs peuvent travailler effectivement différents mélanges et façonner leur burger selon leur créativité. La façon bouchère se présente aussi sur différentes races. On a de la charolaise, de l'aubrac, de la limousine, utilisée par les différents candidats. Et effectivement, le tartare, qui est bien souvent moins utilisé en burger, a été utilisé par un candidat. Par Xavier, oui. Qui a rivalisé d'audace dans son burger pour effectivement essayer de proposer quelque chose d'un peu différent. Et c'est bien de voir tous ces usages, toute cette créativité autour de la Coupe de France du burger qui nous permet de mettre en avant tout le savoir-faire culinaire de nos régions et effectivement de mettre en avant le savoir-faire des restaurateurs également avec toute leur créativité, leur originalité pour des burgers, je dirais, authentiques et vrais qui ravivent les papilles des consommateurs. Allez, je vous laisse, Didier, aller voir les candidats qui sont là. Je jette juste un petit coup d'œil sur le chronomètre. 19 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'il vous reste pour donc réaliser le burger, votre burger qui remportera peut-être la Coupe de France du burger édition 2019. Je vais rejoindre maintenant Sylvie Gaudier qui est la directrice du salon. Bonjour Sylvie. Bonjour, ça va ? Merci d'être là, je suis très heureux de vous avoir une fois de plus à mes côtés. Quel succès ce concours ? Toujours de plus en plus, et puis moi j'ai quand même une grande chance, ça va faire la troisième fois que j'assiste à la finale. Oui. La troisième fois que j'ai le plaisir de goûter les magnifiques burgers proposés par les finalistes. Et puis cette année, j'ai trouvé que le concours était super relevé. J'en salivais déjà en regardant les recettes de toutes les régions qui sont arrivées avant les finales régionales. Donc j'ai quelques noms en tête et je vois qu'ils sont en finale nationale, donc je suis assez contente de pouvoir goûter leur réalisation. C'est réconfortant. Eh bien, je te laisse aller rejoindre les candidats pour voir la façon dont ils travaillent et puis goûter surtout. Goûter tout à l'heure, bien évidemment. Merci également à vous d'être là cette année, encore nombreuses et nombreux. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez prendre des vidéos. Laissez par contre juste la scène aux candidats. Vous pourriez monter tout à l'heure au moment des délibérations. Si vous tweetez, si vous Instagrammez, ne l'oubliez pas, il y a le mot-clé CF Burger pour Coupe de France Burger, pour qu'on puisse facilement retrouver donc, tout ce que vous mettez en ligne. On va aller voir les candidats dans quelques instants. On va aller un petit peu tester la température dans les 5 régions qui sont représentées aujourd'hui avec les candidats. Un coup d'œil sur le chronomètre. Moins de 18 minutes pour réaliser le burger qui remportera donc la Coupe de France 2019. La Coupe de France by Socopa. La Coupe de France du burger. Alors, tout le monde est très sollicité. Je vais me rapprocher de Jean-Philippe. Jean-Philippe, on a tout en main, c'est bon, t'as tout ? Cherches quelque chose en particulier ou pas, non ? On est pas mal. Je vous laisse voir l'évolution des burgers à chaque fois, la façon dont les candidats travaillent. On le disait tout à l'heure, Vincent Boccara l'expliquait, Nicolas Villaume aussi, c'est un booster de carrière. Et à titre d'exemple, Mickaël, qui était avec nous ce matin, n'accède pas aujourd'hui à la finale. Il était candidat déjà l'année dernière. Il était arrivé 5e de la finale nationale et sans gagner la finale nationale, il nous disait que ça avait été un formidable rendez-vous pour lui et l'occasion aussi de pouvoir évoluer professionnellement. Donc on est très heureux en tout cas de cela. On va aller voir le Benjamin du concours, Anthony. Alors, Anthony, est-ce qu'il y a des changements des réajustements par rapport au burger de tout à l'heure ou est-ce qu'on refait exactement le même ? Tout à l'heure, j'étais un petit peu juste au niveau de la fin. Niveau esthétique, j'aurais pu faire un petit peu mieux. D'accord. Et puis c'est vrai qu'il manquait un petit peu de pomme Granny Smith pour ce côté peps en plus. Oui. Donc là, je vais rajuster et je vais aller au bout là.
C'est Nadia qui t'a conseillé ou pas du tout? Voilà, c'est, on en a parlé un peu entre nous. Alors. Parfait, très bien. Soyez attention, soyez attentifs, évidemment, dans les réajustements que vous faites. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Merci d'être là, sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Merci d'être là. Vous pouvez encourager, bien évidemment, vos candidats favoris. Mettez des likes, ça leur fera extrêmement plaisir. On vous relira, évidemment, après le direct tout à l'heure. Je me rapproche de Nicolas. Nicolas, pas de changement par rapport au burger qu'on a fait ce matin ou on a fait des réajustements? Non, pas de changement. Pas de changement, très bien. Le pain donc façon bretzel et puis le fromage que l'on va cuire tout à l'heure. Je ne vous dérange pas plus. Vous venez de nous rejoindre, ça sent bon, ça sent très très bon. C'est la finale nationale de la Coupe de France du burger by Socopa. Maxime, ça va? Impeccable. Impeccable. Il n'y a rien qui cuit pour l'instant, Maxime. C'est normal? J'ai déjà eu des cuissons. J'ai mes morilles qui sont prêtes. Oui. Ma crème de morilles qui est chaude. D'accord. Là, je fais les préparatifs et je vais lancer les cuissons d'ici 5-6 minutes. Parfait. Je jette un petit coup d'œil sur le chronomètre. Il reste 15 minutes. On rappelle qu'au terme de ces 15 minutes, les mains doivent être levées. On ne touche plus à rien. Donc, il faut vraiment terminer dans les temps, Maxime, le gagnant de la région Île-de-France. Ce matin, c'est bien de voir comme ça des candidats qui sont sereins, qui sont tranquilles, que l'on voit tranquilles, pas dans le speed. Je me rapproche de Xavier, le gagnant de la région Ouest. Ça va, Xavier? Ça va parfaitement. On refait la même chose, copier-coller de ce qui a été fait ce matin? Exactement. Oui, c'est vrai. Pas de réajustement, on ne change rien du tout. Oh, des petites choses, mais bon, voilà, on verra. Bon, alors on verra. On parlera du pain, évidemment, tout à l'heure, lorsqu'on présentera le produit final. Le burger final, je rappelle que le burger doit coûter moins de 6 euros. Prix produit, 6 euros, pas plus. C'est un des critères pour pouvoir imaginer le burger qui participe à cette édition 2019, le goût des régions, la Coupe de France du burger by Socopa. Différentes viandes sont proposées évidemment aux candidats par Socopa, les traditions bouchères. On a le tartare qui est utilisé par Xavier. On va avoir des dressages qui sont vraiment surprenants, vous allez le voir tout à l'heure. Alors nous, on a effectivement déjà vu les éditions régionales depuis ce matin, donc on sait à peu près à quoi le burger... Le burger eh bien, représente, et en tout cas la façon dont il se présente et propose. Mais attention, tout peut flancher. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. On a eu d'ailleurs ce matin une petite erreur d'un candidat qui malheureusement a fait tomber un burger au dernier moment. Il en faut 3 et pas un de moins, dont un qui soit découpé en 6 parts. Maxime, il faut commencer à faire cuire la viande, non? Non, d'accord, parfait. Il reste 13 minutes. D'accord, il est serein, c'est trop, dit-il. Super. Un chiffre, 82% des restaurants en France proposent des burgers à la carte. C'est un des produits stars des restaurants aujourd'hui. 20% des Français consomment un burger par semaine. Et évidemment, eh bien, les restaurants doivent... proposer des burgers à leur carte, ils doivent se renouveler aussi. Et c'est aujourd'hui eh bien, des artistes, de véritables innovations, des créateurs de burgers que vous avez devant vous. La crème de la crème, c'est vrai, puisque au départ, ils ont été plus de 300 à postuler pour ce concours, cette Coupe de France du Burger by Socopa. Sur les 325 ont été retenus sur dossier, sur photo. Les 25 sont avec nous depuis ce matin. Et des 25 candidats, il n'en reste que 5. Maxime, Jean-Philippe, Xavier, Anthony et Nicolas pour les 5 régions de France. Il reste 11 minutes 30. Les chefs sont là, bien évidemment. Les pros de la cuisine aussi. Socopa est présente, bien évidemment, comme chaque année.
Et une fois de plus, un concours qui prend de plus en plus d'importance, puisqu'il y a 2 ans, nous étions à 170 candidats qui ont postulé. C'était plus facile pour moi. C'était plus facile pour toi de gagner, Vincent. Et cette année, bien plus de 300 dossiers ont été proposés. Vincent, qui est donc à Paris, vous pouvez aller le voir si vous êtes parisien, même si vous êtes uniquement de passage. Le restaurant est près de la place de la République. Vous pouvez donc aller goûter le burger qui est à la carte de son restaurant. Le Goku, hein, c'est ça ? Goku, c'est ça, le Goku. Très bien. Paris 3e. Allez, je vois Jean-Philippe qui commence à sortir les assiettes. Il reste 10 minutes 30. Anthony, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de brûler mon fromage de Chartreux, de brûler à la flamme, pour qu'il ait ce petit goût sympa. Là, c'est pas pour accélérer le fondu, donner le goût un peu brûlé. Exactement un peu. Ça. D'accord. C'est exactement ça. Très bien. C'est bien la première fois que je suis plus anxieux que les candidats qui ont l'air en tout cas hyper sereins. Mais c'est vrai, Brice. Moi, ça s'appelle Pete là. Il file un peu les jetons là. Oui, c'est vrai. Exact. Mais ça va aller. Mais voilà. Nicolas est hyper serein. C'est la deuxième. Oui. C'est vrai, très calme. On va commencer effectivement à dresser petit à petit donc les assiettes. Les amis, il vous reste 9 minutes 45. Xavier, on est dans les temps. Le tartare, ça va. Les huîtres sont là, puisque je rappelle que c'est un burger un peu particulier que Xavier propose aujourd'hui. Ça lui a permis de passer la finale région Ouest. Remportera-t-il la Coupe de France du burger by Socopa grâce à ce burger iodé ? Nous le saurons tout à l'heure. 9 minutes. Alors, je vais poser la même question à tous les candidats. Maxime, quelle est la viande que tu as utilisée, que tu as choisie parmi les nombreuses proposées par ce copain ? La bouchère au braque. La bouchère au braque. Parfait, 15% de matière grasse. Jean-Philippe, quelle est la viande que tu as choisie, toi ? Au braque aussi. Au braque également, donc la même. Parfait. Xavier a choisi donc le tartare. On en a parlé tout à l'heure. Anthony, tu as choisi quoi comme viande ? Moi, c'est la charolaise. La charolaise. Parfait. Et puis, la même question à Nicolas. Nicolas, c'est la façon bouchère. La façon bouchère que tu as utilisée. Un coup d'œil sur le chronomètre. 8 minutes. C'est la finale nationale. Ça sent très, très bon. Vous allez pouvoir, évidemment... à la fois les supporter, les encourager sur les réseaux sociaux. Ne l'oubliez pas, le mot-clé CF Burger pour Coupe de France du Burger. Alors, on reste concentré 7 minutes maintenant. Les 7 dernières minutes. Voilà, vous voyez Anthony qui est en train de dresser donc ses burgers. Il en faut 3 identiques. On en gardera un sur l'étape de présentation pour que l'on puisse vous le détailler tout à l'heure pendant que le jury ira délibérer. On en coupera un en 6 parts. C'est pas évident, 6 parts, j'avoue.
mais pour que les membres du jury puissent le déguster facilement. Et vous ne serez pas noté sur la découpe, je tiens à vous le préciser. Et un autre complet sera également avec les membres du jury. Ça va, Sylvie ? Écoute, j'allais dire, c'est dur, 5 burgers à 5 ans, mais en fait, ça me donne faim. Oui, ah ben depuis ce matin, je peux te dire qu'on résiste, nous. Donc, j'ai hâte. Oui, et c'est vrai que les saveurs sont impressionnantes et parfois même déroutantes. Mais c'est ce qui est important, c'est de pouvoir intriguer, c'est de pouvoir attirer l'attention aussi. Exactement, on a souvent eu des candidats qui avaient des recettes originales. Après, il ne faut pas se perdre. Tout non à plus. Fait. Ouais. Hein, notre président le dit, l'important, c'est le pain et la viande, il faut qu'on les retrouve. Donc, j'ai hâte de tester tout ça. En tout cas, ça fait envie. C'est vrai. Voici donc le burger que Xavier est en train de monter. Et il vous reste 5 minutes 30. On va aller sur le burger voilà, de Jean-Philippe, qui est en train donc de monter ce burger. Vous allez le voir avec une présentation qui est assez inédite. La présentation ne fait pas tout, mais tout de même... Jean-Philippe, qui est donc le gagnant de la région sud-ouest. Il reste moins de 5 minutes. Allez, on reste concentré, pas d'erreur. C'est là où, si on panique, il peut se passer de mauvaises choses. L'assaisonnement pour Anthony. On continue le dressage hein, du côté de Nicolas. On va terminer d'ailleurs, oui. Effectivement, le dressage. Il vous reste 4 minutes maintenant, les amis. 4 minutes. On est dans les temps, Xavier. Tout se passe bien. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que c'est la finale nationale, maintenant. C'est la Coupe de France du Burger by Socopa. 5 candidats qui représentent les 5 régions de France. L'Ouest, le Nord-Est, l'Île-de-France, le Sud-Est et le Sud-Ouest. Allez, tout se fait dans le calme, parfait. On jette un coup d'œil vers le chrono. Il vous reste un peu plus de... Allez, 3 minutes 10. 3 minutes 10 pour donc dresser et découper. 3 minutes maintenant. Jean-Philippe est déjà parti sur la découpe donc de son burger. Vous le découpez en 6, s'il vous plaît, Xavier, également. On est dans les temps, moins de 3 minutes. Vous avez là le dressage sur votre écran de Nicolas, le finaliste de la région Nord-Est. On ne stresse pas. Tout va bien, Maxime. Ça marche ? Super. Je t'entends souffler, je t'entends. Mais allez, on déstresse, on respire. 2 minutes 30. C'est fini, Maxime ? Presque. C'est presque terminé. Sur Maxime, il reste 2 minutes. Xavier a déjà terminé. Xavier a déjà fini. On peut encore faire des réajustements, Xavier. Il reste 2 minutes. Hein. Alors, si vous avez déjà terminé avec un peu d'avance, eh bien, vous pouvez déjà faire nettoyer votre plan de travail. Parfait, Nicolas. Il reste encore 2 minutes pour faire quelques petits réajustements, peut-être esthétiques. Regardez bien la présentation, c'est important. Anthony, 1 minute 30.
Voilà, vous voyez sur votre écran donc le burger de Jean-Philippe. Il reste 1 minute 15. Anthony, c'est bon ? Anthony ? Il faut découper, attention, hein. N'oubliez pas de découper. Il reste 1 minute. Allez, vous pouvez encourager, s'il vous plaît, les 5 finalistes. On veut vous entendre un petit peu, s'il vous plaît, encouragez-les, parce que là, ce sont les dernières minutes pour cette Coupe de France du Burger 2019 by Socopa. 50 secondes. Pensez à bien découper les burgers. Attention, Anthony, hein, 50 secondes. Découpez les burgers en 6. Il ne faut pas se rater là sur les dernières secondes. 40 secondes maintenant. Xavier a terminé. Du côté de Nicolas, c'est quasiment fini aussi. On a tout dressé chez Maxime. Et du côté de Jean-Philippe également. Attention, 25 secondes. Et il reste 20 secondes maintenant. C'est fini. Maxime a terminé. Jean-Philippe a terminé. Je les vois lever les mains. 15 secondes. Allez, on fait les comptes ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est fini. Bravo. On lève les mains. On lève les mains en l'air. Bravo à vous tous. Félicitations. Félicitations. Alors maintenant, je vais vous demander de choisir le burger le plus esthétique que l'on va garder ensemble sur le plan de travail pour qu'on puisse en discuter. Et puis celui qui a été découpé est le troisième, donc repartent avec les membres du jury pour la délibération. Et d'ici un petit quart d'heure, vous connaîtrez donc le nom du nouveau champion de France du burger qui remporte la Coupe de France du burger by Socopa. Et évidemment, la presse va en parler. Et évidemment, on parlera de vous. Et évidemment, vous vous souviendrez de ce 1er avril 2019. Pour avoir vécu cette finale. Bravo en tout cas à vous. Alors, Anthony, quel est celui que l'on va garder ? On touche plus à rien là. Quel est celui que l'on garde ? Pour les photos, on va garder. Pour les photos. Celui-là. Celui-ci. Allez, on garde celui-là. Hop là, Nadia, je te remets solennellement. Parfait. Oui. Et celui-là aussi, si tu peux, non ? Non ? Ça va le faire ? Parfait. Génial. Merci beaucoup. Xavier, quel est celui que l'on garde ? Celui-là ? Allez, on garde celui-là. Alors, par contre, c'est un petit peu lourd, celui-ci. Voilà, exactement. Et je vais demander à... Je vais le faire moi-même. pour amener, voilà, vers la salle des délibérations. Ça, c'est le... Attention, voilà. Le burger, donc, de Xavier. Tenez, je vous le mets là. On garde celui-ci ? On garde les... Allez, parfait, génial. Didier, je vous mets à contribution, Didier. Allez, il va falloir y travailler. Déguster. On va garder celui-ci. On vous le détaille dans un instant. Parfait, du côté de Jean-Philippe. Tiens, merci Xavier, merci beaucoup. Waouh, il est très très joli. Sylvie ? Hey, attention, c'est la main dessous. Voilà. Génial. Tiens, je laisse la place. Merci. Merci Vincent. Allez, c'est parfait. Alors, on va maintenant prendre le temps de vous montrer chacun de ces burgers. Et cela sera le temps, évidemment, aux membres du jury de délibérer. On aura le nom du gagnant dans quelques instants. Ça va, Maxime ? Allez, on va commencer avec toi. On a ouvert la journée avec toi. Le burger de Maxime, vous allez le voir apparaître sur les écrans et on va donc en parler. Est-ce que tu peux donc nous rappeler le nom de ce burger ? C'est le Rouerga. Le Rouerga, en Aveyron, c'est l'habitant du Rouergue et aussi, c'est aussi le patois. C'est un patois directement le Rouerga. Alors, on va vous montrer la façon dont le burger a été composé. Tiens, je passe le micro. Ah, c'est du sport, hein ? Bah, ouais, un petit peu, ouais. C'est du sport. Alors, on part de base en haut et tu vas nous expliquer la composition de ton burger. Alors, on va commencer par le pain.
C'est un pain à base de noix de cerneau et thé d'aubrac. Voilà, deux produits très importants dans le département. Ouais. Ensuite, on a une crème de mori, donc c'est la première sauce. Crème de mori qui ont été cueillies dans les forêts des Yvelines. Ensuite, on a de la jeune pousse d'épinards avec des échalotes confites au miel. Donc elles sont directement cuites avec la peau, au four, dans du miel, pas d'assaisonnement, rien. Ça cuit à petit bouillon au four. Quid. Et la sauce, le miel, je l'ai réutilisé pour en faire une deuxième sauce qui arrive plus tard. D'accord. Donc il n'y a rien qui est jeté dans ce burger, à part la peau des échalotes. C'est-à-dire que même la peau de la poitrine, je la réutilise pour autre chose, pas pour le burger, mais le seul déchet que je retrouve, tout ce qui n'est pas recyclé, il n'y a que la peau des échalotes. Parfait. Ensuite, dans le steak, il est recouvert de tomme fraîche d'aubrac, donc c'est le fromage de l'aligo. Ouais. Au-dessus, on a des morilles juste revenues au beurre. Et de la poitrine fumée. Poitrine fumée qui a été pareil confite au four tout doucement. Et juste resnackée à l'endroit. Et donc la dernière sauce, donc la réutilisation du miel de cuisson, c'est une sauce miel et vinaigre de noix. Donc le rappel pour le pain burger qui vient donner le peps à mon burger. Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait la différence tout à l'heure lors de la sélection, lors de l'édition Île-de-France par rapport aux autres candidats qui étaient présents? Je vais pas dire d'après moi, ce que j'ai entendu, c'est voilà, il est équilibré. Il est équilibré. Il est équilibré, d'accord. Il est logique, il y a une histoire. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux que les mots du jury pour décrire ça. Bon, heureux en tout cas d'être arrivé à ce stade de la compétition. Oui, ici pas en mal, finale. C'est pas mal. C'est pas mal, il faut gagner encore. Voilà, c'est ça. On ne vient pas ici pour enfiler des paires, on vient tous pour gagner, on a tous envie de gagner. Donc voilà, c'est la première place pour tout le monde, non, mais bon. On est tous là pour ça. Bravo pour ce parcours en tout cas. Merci. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup Maxime. Allez, on attend les résultats dans quelques instants. Jean-Philippe. On le soulève ? Allez, on va le soulever. On va juste avant vous rappeler donc, le concept. Parce que c'est un concept, voilà. Ce burger. C'est ça, c'est que je voulais amener une nouveauté, quelque chose d'un peu original. C'était un parti pris, c'était un peu risqué parce qu'il y avait un accessoire, je ne savais pas si on avait le droit ou pas. Mais c'est une véritable galère, hein, donc je ne vous conseille pas de le faire s'il y en a qui viennent l'année prochaine. Oui, c'est... Mais voilà, c'est super. Et puis du coup, on l'a fumé. Je partais du concept, en fait, qu'on le sait au restaurant, que les gens, en fait, fassent eux-mêmes couler leur fromage. Ce petit côté ludique qui est assez original et sympa, qu'on n'a jamais trouvé dans les burgers. Et alors, quand tu le fais fumer avec quoi? Avec quel type d'herbe, en fait? C'est quoi? En fait, vu que donc, il s'appelle Avalanche, c'est un burger de montagne. Je suis allé me ramasser avec les enfants et ma chérie des épines de pin la semaine dernière à Formiga, à côté dans les PO, ouais. À côté de Perpignan. Et donc, je les ai broyés. Les Pyrénées orientales. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc j'ai fumé ça aux aiguilles de pin. Ça va rappeler un peu l'odeur du quand on est au coin du feu, tout simplement. Et donc, quand on le prend en bouche, ce fumée, en fait, va homogénéiser tout le burger. Et petit à petit, on va découvrir toutes les strates, tous les goûts qui vont venir à droite, à gauche. Qu'est-ce que le jury t'a dit? Quels sont les avis que tu as pu entendre tout à l'heure suite à la finale d'édition Sud-Ouest? J'ai pas trop eu le temps. Parce que tu as enchaîné, en fait. Voilà, ils m'ont dit, qu'il fallait que je me dépêche pour entaquer, qu'on finisse dans les temps, comme ils ont dit, tout coupé, tout nickel. Donc voilà, je trouve que c'est bien aussi, comme ça au moins, il n'y a pas de... Bon, on l'ouvre ? On l'ouvre, je sais pas s'il reste de la fumée. Allez, est-ce qu'il reste de la fumée ? Je ne sais pas. On peut remettre un petit peu. Allons-y, on a le temps. Ça laissera quelques minutes de plus au jury pour délibérer, s'ils en ont besoin. Alors, je rappelle aussi un critère important, c'est que le burger doit être à moins de 6 euros pour le prix produit. On est vraiment à moins de 6 euros avec un burger comme celui-là ? On est à 3,20 €. À 3,20 €. Parfait. Ça a certainement un des prix les plus bas que l'on ait... dans ce concours depuis ce matin, oui, parmi d'autres. Hein, c'est que sûr. Des ingrédients simples. Alors effectivement, le fromage, peut-être pas dans cette taille-là, mais le fromage est un fromage qui a quand même un prix assez élevé. Et vu qu'on met des petites tranches, voilà, on arrive vraiment à un coût vraiment assez bas. Bien sûr, on ne compte pas le prix du matos pour oui, pour oui bien sûr, on est d'accord. Mais justement, c'est ce qui va embellir un peu le burger. Mais parfait. Après, on a du jambon, du noir de Bigorre, qui est réputé cher aussi, mais on le tranche très 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 fin. Donc ça a un coût vraiment très bas. De la roquette aussi, très bas. La mayonnaise est maison, les sauces sont maison, donc... Là, il y a des ours aussi, c'est ramassé. Donc, voilà. Allez, on y va, on essaye de le faire fumer pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi le burger peut ressembler si un jour vous le retrouvez sur une table de restaurant. J'espère que ça donnera des idées aussi. Possible aussi, bien sûr. Ouais, si je retrouve ça ailleurs, je serais content. J'ai un peu inventé un truc, ça serait cool.
Oh, il n'y a pas des droits. Non. Il n'y a pas des royalties, non? Non. Pas. Allez, on inspire. Je pense pas. Alors, le système pour. Donc là, je vais fumer toutes les caméras. Alors, je rappelle que ce burger a remporté donc l'édition tout à l'heure régionale du Sud-Ouest. Voilà, on laisse la fumée un petit peu partir. Et lorsque vous ouvrez donc la cloche. C'est bon ? Voilà pour le burger donc de Jean-Philippe. Remportera-t-il la Coupe de France du burger by Socopa ? Réponse donc d'ici quelques minutes maintenant. Bravo en tout cas pour cette présentation, Jean-Philippe. Merci d'être là et bravo pour ce parcours. Allez, je vais maintenant discuter avec Xavier, le grand gagnant de la région Ouest, avec un burger qui a surpris les membres du jury tout à l'heure, Xavier. Bah, il paraît que oui. Il paraît. Alors, un burger particulièrement iodé. On rappelle la composition de ce burger. Alors, on va, bah, comme pour les autres, partir du bas et remonter vers le haut. Alors, on part avec un pain qui est fabriqué avec un petit peu de farine d'épeautre. Évidemment, du lait, du beurre et des œufs de ferme. Sur le dessus, je l'ai poudré avec un sésame torréfié, de la fleur de sel, de noirmoutier et des algues séchées. Voilà, pour le. Dans le pain, on a essayé aussi à la fois la mer, la terre, et avec le lait, le beurre. Oui. On monte au-dessus, donc l'étage au-dessus, où là, on a les huîtres qu'on a ouvertes à la vapeur. Donc comme ça, ça nous permet d'avoir les huîtres bien, on n'en perd pas sous le dessus de l'huître, au niveau de la coquille. Et donc l'huître est légèrement raidie, ce qui lui évite de travailler derrière et de rendre de l'eau. Parce que comme on la mélange avec une petite mayonnaise légèrement citronnée, avec du radis noir et du céleri branche, comme ça l'huître est fixée et ça permet de la travailler et d'avoir un résultat parfait. Au-dessus, donc la viande que j'ai juste snackée, fleur de sel, poivre du moulin. Et sur cette viande, j'y ai posé un confit d'oignon rouge parfumé au gingembre. Le fromage, donc un curé nantais affiné au muscadet. Donc c'est pour ça un peu le clin d'œil avec les bouchons. Le socle, en fait, c'est une croûte de sel et j'ai collé autour des bouchons en liège. Mais que tu as fait spécialement pour le concours. Exactement, parce qu'il génial. Fallait un truc un peu rigolo, un petit clin d'œil. Ouais. Donc là aussi, dans le support, on a essayé de, à la fois le bouchon, la vigne, et puis le sel, la mer. Et ensuite, sur le curé nantais, j'ai posé des feuilles d'oyster leaf. Donc en fait c'est un végétal qui sent l'iode, c'est-à-dire que quand vous mâchez véritablement comme si vous mangiez un morceau de viande, quand vous mâchez ce végétal, vous avez l'impression de manger des huîtres. Ça c'est très iodé et voilà. Et donc le tout arrosé à la fois, là il n'y avait pas de clin d'œil sur la mer, mais une huile de persil pour le côté végétal et une glace de viande pour le côté de la terre avec le steak et voilà. C'est un burger qui est totalement inédit. Qu'est-ce que les membres du jury t'ont dit tout à l'heure après la finale régionale? Est-ce que vous avez un peu débriefé ensemble? Bah, comme vous me l'aviez dit lors de la demi-finale, c'est vrai que c'était un pari risqué. C'est risqué, bien sûr. Voilà, après, il y a des gens qui ont goûté, qui ont peut-être goûté un tartare avec des huîtres fraîches. Et c'est tout simplement incroyable. Et moi, quand je me suis inscrit, c'était une évidence. Alors après, ils ont tous été agréablement surpris. Ça a été la surprise, en fait. Ils ne pensaient pas que l'huître allait se marier avec le bœuf. Bon, faut savoir que le fait de la raidir, l'huître, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément les huîtres, parce qu'ils n'aiment pas ce côté, quand on la gobe, ce côté un peu visqueux qu'on peut avoir en bouche. Mais là, on ne le sent pas du tout. Alors que là, comme l'huître est raidie, vous croquez dans quelque chose d'assez moelleux et beaucoup plus agréable à manger. Comme je le mélange avec des petits légumes, ça passe très très bien. Ouais, et là, ouais. Par contre, quand vous commencez à marcher dedans, ça vous amène de la fraîcheur en bouche et voilà. Alors, est-ce que ce mélange suffira pour que, Xavier, tu repartes avec la Coupe de France du burger by Socopa? On verra bien. On verra bien. Résultat dans quelques instants. En tout cas, bravo, félicitations pour cette œuvre.
Anthony, ben, il arrive. Voilà, je n'ai même pas besoin de l'appeler. Il arrive, le Benjamin du concours. Tiens, on va ensemble revoir le burger que tu nous as présenté. Alors, tu as fait quelques petits réajustements, c'est ça? Tiens, prends le micro, je t'en prie. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que tu as changé par rapport à tout à l'heure? C'est le jury qui t'a un peu guidé sur les changements à faire? Oui, oui. Oui, c'est vrai. Du coup, j'ai fait mes pickles de pommes Granny Smith un petit peu plus épais, je pense, pour avoir un petit peu plus de croquant et de fraîcheur. Ah, d'accord. Et puis tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'en mettre assez. Donc là, j'ai pu ajuster mon dressage et puis bien prendre le temps du coup de mettre ce que j'avais à mettre à l'intérieur. Alors, tu nous rappelles un petit peu les différentes strates de ce burger. Comment est-ce qu'il se compose? Alors, donc mon burger, c'est un pain déjà donc au vin rouge. Donc mon père est viticulteur, j'ai donc décidé pour lui rendre hommage du coup de l'utiliser pour donc apporter un petit peu de couleur à la mie. J'ai également mis des châtaignes à l'intérieur et également aussi des éclats de châtaignes aussi sur le dessus. Voilà. Wow. Donc ça le rend bien gourmand. Ce qui est important aussi pour moi quand je fais un burger, c'est de respecter les codes du burger, de respecter les proportions de chaque ingrédient et que chaque ingrédient ait sa place. Voilà, qu'il n'y ait pas de trop ou de pas assez en fait. Donc de faire un burger équilibré, que ce soit au niveau des textures et des saveurs, c'est très important. Et mon steak, du coup, c'est de la viande charolaise, simplement bien assaisonnée, avec mon fromage Le Chartreux, qui vient du massif de la Chartreuse. C'est un fromage qui est équivalent à la raclette. D'accord. Et du coup, je le fais fondre sous cloche. Je prends mon petit chalumeau et je lui apporte ce petit côté brûlé à la flamme pour le rendre encore plus gourmand. Mon burger est relativement simple au niveau des ingrédients. J'ai voulu faire un burger qui soit, on va dire, mangeable et que tout le monde puisse apprécier avec des ingrédients simples et pas partir dans des ingrédients trop compliqués. Et voilà. Une présentation d'ailleurs qui est assez épurée. Oui, voilà, oui, c'est vrai que c'est important de rester dans la simplicité. Il y a quand même une belle liste d'ingrédients, mais voilà, le but c'est de bien tout doser pour arriver à un équilibre parfait. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre ton burger et celui des autres candidats pour remporter la coupe qui se trouve là-bas et les 2 500 €? Je pense que c'est vraiment la justesse peut-être des saveurs que j'ai apportées, que toutes les petites techniques, j'ai vraiment voulu miser sur les techniques, par exemple sur ma poitrine de porc qui a été confite au four pendant 6 heures avec une marinade. On arrive à un côté fondant, ça remplace le bacon, c'est intéressant, c'est inédit, mais on reste dans la simplicité. Ouais. Donc c'est utiliser tout le temps des petites techniques qui vont faire que à chaque fois ça rajoute des petits détails et qui font vraiment la différence. La coupe elle est là. Ouais. Est-ce qu'on la ramène à la maison ce soir ou pas? Ah bah moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Bon bravo en tout cas Anthony, le Benjamin du concours qui est avec nous et qui a participé donc à la fois à la finale régionale et à la finale nationale. Et puis on part dans l'Est maintenant avec Nicolas. Nicolas, tiens, je passe le micro, je vais passer de l'autre côté pour qu'on puisse bien voir ton burger. Ça s'est passé comme tu voulais, Nicolas? Oui, mieux que ce matin. Mieux que ce matin? Ouais, ouais. Parfait. Nicolas, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est le zen, c'est le... T'es comme ça dans la vie tous les jours? Non. Non, d'accord. Donc tu intériorises le stress. On rappelle un petit peu la composition de ce burger, voilà, que l'on voit en gros plan là sur les images. Il est juste appétissant, on a envie de croquer dedans. Comment est-ce qu'il se compose? Comment est-ce qu'il s'équilibre? Alors, c'est un pain bretzel. Pour rappeler l'Alsace, d'où la forme bretzel. Ouais. La sauce, c'est du bibalacas avec échalote, ail, livèche, sel, poivre, muscade. Ensuite, nous avons du chou rouge et des oignons jaunes de Mulhouse, des châtaignes. Après, il y a le steak haché façon bouchère, 15% de matière grasse. Après, nous avons la tomme welche affinée au pinot gris. Puis, de nouveau, oignons... chou, livèche et marron. Parfait, très bien. C'est un burger qui est déjà la carte du restaurant ou non, pas encore. Rappelle-nous où est-ce que tu travailles? Au Casino Barrière de Bruxelles. Au Casino Barrière. Et comment est-ce que tu t'es préparé en fait à ce concours? Déjà l'année dernière, j'y avais participé sans trop y participer parce que j'étais venu avec mon chef de cuisine. Oui. Et cette année, c'est un travail d'équipe entre le chef de cuisine, le directeur de la restauration et un collègue à moi. Et voilà. Je reprends ton micro parce que le mien, on est en train de recharger les piles. Super. Voilà, merci beaucoup. Tu as vu un petit peu les autres burgers des candidats? Est-ce qu'il y en a un qui te fait un peu plus peur que l'autre? Comment est-ce que tu te situes par rapport aux 4 autres finalistes? Non, je ne me sens pas plus...
en danger que ça, parce que le thème de cette année, c'était produits régionaux. Exactement. Et dans mon burger, je sais que j'ai mis que des produits alsaciens. Que des produits alsaciens. Parfait. Quelle est la suite de ta carrière et de la carrière de ce burger ? Le burger va être en vente à partir du 15 avril. Ah, génial. Et ma carrière, pour l'instant, la même. Parfait. Mais le patron est là, je crois. Hein. Il n'est pas très, très loin, le patron. Donc, on ramène la coupe dans l'Est ce soir ou pas ? Bien sûr. Bien sûr. Il est motivé. C'est génial. J'adore. Vous pouvez l'applaudir. Nicolas, donc le cinquième finaliste. On va faire un petit peu de place pour, dans un instant, d'ici quelques secondes, accueillir les membres du jury. Juste avant, je vais vous rappeler qu'il y a évidemment cette coupe qui sera remise au grand gagnant de l'édition 2019, la Coupe de France du Burger by Socopa. On récompensera évidemment le deuxième et le troisième. Les cinq finalistes repartent, alors les quatre derniers pour le coup, 5, 4, 3, 2 repartent chacun avec un chèque de 500 €. Et le grand gagnant repartira lui avec un chèque de 2 500 €, en plus donc de la coupe qu'il ramènera à la maison. On va juste jeter un petit coup d'œil avec la caméra donc de notre plateau dans la salle des délibérations. Je ne dis pas que c'est encore fait, je ne dis pas que c'est encore joué pour l'instant. Il y a beaucoup de monde là-bas. Alors regardez, on ouvre délicatement la porte. Vous avez sur les images ce qui se passe donc dans la salle de délibération. Et je pense qu'il va falloir encore attendre quelques minutes avant d'avoir le résultat final. Donc voyez sur votre écran. Bien. Il goûte le dernier. Donc, il faut encore quelques minutes de patience. Ils sont en train de goûter le dernier burger. Et on aura donc après, évidemment, il va falloir débattre. Il va falloir donner des notes et surtout décider du classement final. Un chiffre que je voulais vous communiquer, qui est important. 82% des restaurants en France proposent un burger à la carte. 20% des Français mangent un burger une fois par semaine. Donc c'est important et la proportion est encore plus grande chez les jeunes. Ça va Jean-Philippe ? Parfait. Donc si je te dis qu'un burger à la carte aujourd'hui, c'est indispensable à la carte d'un restaurant un burger. Mais d'autant plus quand on a commencé avec un food truck de burger. Si on n'a pas de burger, c'est un peu compliqué. Oui, alors ça effectivement, c'est le parcours est un peu... Sans blague, je pense que tous les restaurants ont au moins un burger à la carte, si ce n'est pas plusieurs. Ouais. Et même les grands restaurants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les chefs qui étaient là. Oui, Vincent, apparemment, j'avais vu qu'il avait fait une collab avec Thierry Marx. C'est incroyable. Oui. Je pense que c'est de la cuisine quoi qu'il en soit, on peut dire ce qu'on veut, on a tous les ingrédients d'un repas complet, pris plus ou moins gras en fonction de ce qu'on met dedans, mais c'est un véritable plat, donc ça a sa place dans les restaurants bien sûr. Voilà, et puis les gens le demandent, et au-delà du plat, le burger qui remportera cette édition 2019, c'est aussi une expérience culinaire avec donc les différentes saveurs, les différents goûts que l'on a pu donc découvrir aujourd'hui. Alors, je repasse une tête. Alors, j'ai la tête de Vincent Bocara qui est juste dubitatif sur un des burgers, qui est en train d'observer la façon dont le burger a été travaillé. Je pense qu'il faut encore patienter 5 bonnes minutes avant d'avoir donc le résultat. Et on saura donc après qui de nos 5 finalistes. Nicolas, Jean-Philippe, Anthony, Xavier... Et notre finaliste de la région Île-de-France, Maxime, remportera donc la finale de cette Coupe de France du Burger by Socopa. Merci d'avoir partagé les photos et les vidéos, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à la presse d'être là, une fois de plus cette année, de plus en plus nombreuses. Merci à Socopa d'avoir organisé ce concours.
Allez, ils sont tous sur le tableau notation et en train donc d'attribuer les notes de manière individuelle dans un premier temps, et puis après on va devoir faire les comptes. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire pour l'édition 2020, eh bien vous pourrez avoir toutes les informations sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. N'hésitez pas à le faire. On le disait, cette année, plus de 300 dossiers ont été déposés. Et c'est le double d'il y a 2 ans. Allez, je vais demander aux 5 finalistes de remonter sur scène, s'il vous plaît. Maxime, Nicolas, Jean-Philippe, Anthony et Xavier. Mettez-vous au milieu de la scène. Vous pouvez les applaudir une fois de plus. Les 5 finalistes de l'édition 2019. Il en manque un. Il fait la vaisselle. Anthony, allez. Voilà les 5 finalistes. On va donc attendre les dernières secondes, puisque les notes, les moyennes sont en train d'être faites. On va donc annoncer dans un premier temps le 4e, puis le 3e, puis le 2e, et évidemment le gagnant. Une petite musique de tension pour faire monter la pression, parce que là évidemment ça se joue à quelques secondes. Allez, je vois que les notes sont faites et Vincent, Brice et Nicolas, les gagnants des éditions précédentes, vont nous rejoindre d'ici quelques secondes. Recompte une deuxième fois pour être sûr de ne pas faire d'erreur. On est bon, Vincent ? Allez. Sylvie vient me rejoindre. Sylvie, on va juste avant d'avoir les résultats avoir en fait ton avis. Voilà, les membres du jury donc ont terminé.
Les notes ont donc été données. Ça a été difficile, Sylvie. Comment ça s'est passé parmi les là pour les délibérations pour... C'est jamais difficile de goûter de si bons burgers. Donc, c'est vrai. Ouais. Bon. Même à cette heure-ci de la journée, je pense que ce soir c'est bon. J'ai plus faim. c'était super. On a un gagnant. Ouais. C'est un peu le but. J'imagine. Je vais laisser le président finir de conclure pour rien dévoiler, pas faire de gaffe. En tout cas, bravo, parce que c'était serré, et mais on est assez d'accord sur tout ce qu'on a goûté. Je rappelle Sylvie, la directrice du salon. Ce sont des goûts inédits que tu as pu découvrir avec les 5 burgers qui font partie de la finale de cette année. Oui, il y a toujours eu quelque chose, que ce soit soit dans l'assaisonnement ou du fromage ou des mélanges faits avec le fromage chez certains qui m'ont bien interpellée. D'autres, c'était dans la viande, d'autres, c'est carrément des ingrédients qui viennent compléter la recette du burger. Donc, on est dans l'originalité, mais pas celle qui vient tuer le burger. On a déjà eu d'autres fois des compétiteurs qui étaient très, très originaux, mais du coup, on en oubliait le burger. Et là, c'est pas le cas, donc c'est super. Bon, allez, je pense qu'on est bon. Nicolas Villaume, le gagnant de l'année dernière, que vous pouvez applaudir, qui revient, vient nous rejoindre maintenant. Vincent Bocara, le gagnant de l'année 2017. Et Brice Morvan, le premier gagnant donc de la Coupe de France du Burger by Socopa, celui qui a remporté la Coupe lors de la première édition, c'était en 2016. Vous avez pu aussi voir à la télévision lors de la première saison de Top Chef. Donc je vais demander à Brice et... Voilà, et à Vincent. Vincent nous rejoint avec la coupe, génial. Didier de Socopa nous rejoint également, puisqu'il y a parmi les cadeaux qui seront remis, les lots qui seront remis, 2 500 € pour le gagnant. Voilà, rabis-toi Brice. Allez, on va se mettre au centre de la scène. Tiens, on va se retrouver, voilà. Avancez-vous les garçons, avancez-vous. On va annoncer dans un instant le nom du quatrième, enfin, celui qui arrive en toute dernière position. Hein. En toute dernière. Non, on fait 3-2-1 ? Comme vous voulez. Allez, 3-2-1. Allez, 3-2-1. Donc le troisième sur le podium de cette édition 2019. Brice. Alors le troisième, c'est Xavier avec... le burger New York. Allez, Xavier donc est troisième sur le podium. C'est la région donc Est-Ouest qui remporte donc la troisième place sur ce podium. Nous passons maintenant donc au deuxième. Celui qui arrive deuxième sur le podium, alors, il s'agit de Jean-Philippe Carrère avec l'Avalanche. Jean-Philippe est deuxième. Bravo Jean-Philippe. Alors, tout se joue maintenant en attention. Entre nos trois finalistes, il y a donc Anthony, il y a Nicolas, et il y a le représentant de l'Île-de-France. Bravo en tout cas à vous trois, merci d'être là. Le grand gagnant de cette édition 2019. Alors c'est Anthony Verset avec le Chaillère. Anthony, le nouveau gagnant. Champion de France du Burger by Socopa. Bravo à Maxime, bravo également à Nicolas. Félicitations des autres, l'oreille vient donc compléter voilà, la photo de famille. Non, merci aussi. Allez, et devant toi, là, les photographes, et on lève la coupe avec donc les voilà, Xavier, également Jean-Philippe, allez pour la photo de famille, allez-y. C'est donc le Benjamin du concours qui remporte cette année la Coupe de France du Burger by Socopa, le nouveau champion de France. Il s'appelle Anthony et il vient donc de la région sud-est avec donc le burger qui est ici. On parlait de simplicité tout à l'heure. On va remettre de la part de Socopa Didier 2 500 € le chèque et 500 € pour les autres candidats, ceux qui ont participé à ce concours, à Xavier notamment, Jean-Philippe, Maxime et Nicolas. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous. On peut dire que c'est un poisson d'avril, c'est pas lui qui a gagné, en fait. Ah oui, moi, je suis là, n'inquiète pas. Moi, les conneries, là.
tiennes. Ça. On va éviter de le faire tomber. Voilà le burger donc du gagnant. Je vais le remettre d'ailleurs à Anthony. Tiens Anthony, regarde. Est-ce qu'on peut. Il n'y a plus de main. Pose la coupe par terre, Anthony. Voilà. Et voici donc le burger gagnant, qui est donc le nouveau burger champion de France, avec Anthony évidemment, le champion de France 2019. Il est là et j'espère que vous aurez l'occasion en tout cas de le goûter, de le déguster. C'est où Anthony qu'on peut le déguster ce burger? Pour l'instant, on peut ou pas pour l'instant? Alors pour l'instant non, ce sera début mai du coup avec le deuxième restaurant de mon patron, ça s'appellera l'auberge de Crussol, donc au pied du château de Crussol, dans un cadre magnifique du coup, et c'est très touristique l'été, donc ça va vraiment être super. Voilà, le nouveau champion de France et le burger qui lui a permis donc de remporter donc cette coupe. Bravo, félicitations Anthony. Bravo.